Et bonjour YouTube et bienvenue sur ce troisième épisode de Hidlock Quest. Quelque chose d'approche, quelque chose de grand. Oh pitié, tu n'as rien trouvé de plus banal à sortir avant un combat contre un mid-boss? Déjà, ce rat est énorme. Et pas qu'un peu, voilà une espèce de plus pour mon futur livre sur les rats. Tu pourrais pas plutôt écrire un livre qui apprendrait aux sorciers à fermer leur gueule? La violence. La violence. Combattre, c'est parti, on va heal ici déjà. On va stone skin pour pas qu'ils prennent trop cher. On va strength. On va heal. Meditate. Normalement on devrait le passer tranquillement. Ça risque juste d'être long. Wop. Ça risque d'être long, mais normalement si je fais pas n'importe quoi, ça devrait aller. Faire n'importe quoi, ça veut dire ne pas laisser crever. Les alliés, ça peut être bien. Ok. J'ai plus rien. Tanky, tank. Pas que je laisse crever notre ami par contre. Oh, il avait leur super. Ils ont tous leur super, on va pouvoir faire exploser les mondes. Exploser le monde entier. Hop, let's go. Anneau de rat. Ok, j'irai check ce que c'est après. Ah, encore. Non, vous avez même battu le rat géant que nous avons envoyé pour vous tuer. Vous voulez dire que le rat géant que nous avons fui et qui se dirigeait par chance, qui gérait par chance vers eux, chef. Va voir chez le boss final si j'y suis, Pixmel. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas ridiculiser la guilde des méchants plus longtemps. Ah ah ah, on est méchants. Ok, let's go. Tranquille. Faut jouer avec les touches. Ça va être chiant pour après. Je garde le super pour le boss, je pense. Pour un combat plus chiant. Parfait. On a 4 étoiles magiques à balancer. Strength sous skin, ça me va. Shield, c'est quoi déjà du coup? 35 PV. Un bouclier de 35 PV, c'est pas mal. Limite à la place de ça, ça peut être pas mal. Quoique Boo nous rende du mana. Combien on a 15, c'est beaucoup. Après ça je peux l'utiliser qu'une fois dans le combat. Donc en vrai c'est un spell que je peux utiliser qu'une fois. On peut essayer avec ça. Et au niveau des étoiles. Des étoiles. Le super heal qui sera utile jusqu'à plus ou moins la fin. Combien on a avec 8 de 1, ça peut être bien. Ça c'est bien, le passif en auto-heal. Ça peut être bien. Et l'effet qui est octroyé un peu plus souvent. Ça peut être vraiment, vraiment bien. Bless. Boom, c'est quoi son passif? Quand Boom n'est pas en récupération, gagnez 1 de mana toutes les 2 secondes. Temps de récupération, moins 10 secondes. Ah, oh, ça c'est fort. Ça c'est fort, ça fait 50 secondes. Moins 10 secondes, moins 10 secondes, moins 10 secondes. Donc en vrai, si je l'améliore au max, il peut être à moins... Comment ça s'appelle? 60, 50, 40, 30, 20. 20 secondes pour récupérer. Ouais, ça fait beaucoup quand même, 20 secondes. Après, ça peut me faire récupérer limite tout mon mana si je l'améliore au max. Touk, 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 touk. Invulnérable jusqu'au niveau 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y a certaines compétences qu'il faut améliorer pour. Ok. Passif sur une 5 PV additionnel. Ça, c'est pas mal. En vrai, il y a des bons trucs sur le super heal. C'est vraiment ce que je vais améliorer au max, je pense. En vrai, j'aurais pas dû mettre mon point sur l'autre. Enfin, c'est pas... En vrai, de toute façon, je peux les m'acheter. Mince, j'ai pas lu. J'ai plein de d'autres projets à créer la guilde des botteurs de cum, en convertir en tant que barde. Ou en tant que bûcheron. Ah oh, putain. Fight. Juste pour tester Boom. Ouais, Boom me donne quand même pas mal de heal. Oh, pour le boss, ça va être bien. Je pense que pour le boss, ça va vraiment, vraiment être bien. On va NP. Taunt. Tous les ennemis attaquent la cible pendant 5 secondes. Ah, ça peut être bien aussi. Ça peut être méga bien. Encore des ennemis? Non, c'est quoi ce donjon? On peut pas faire deux pas sans se faire attaquer. Bah, c'est la norme. C'est ton premier donjon, Beauty. Tu rigoles, je grind de l'XP depuis des années.
des années et tu n'es pas encore niveau de 25. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un mage un peu fou qui m'a ramené au niveau 1 avec un de ses sorts cheaté. Quel sort étrange, pourquoi a-t-il fait ça? Mêle-toi de tes oignons. Ok. Bon, on saura plus un autre jour. Non, je voulais super. Ok. Tranquille. Méditeille, tranquille. En fait, le bouffe, faut que j'utilise tout dans le combat, surtout si les combats durent longtemps. Victory! Ok, GG. Pam, 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 pam. Et là, c'est le boss final, c'est ça? Ou c'est un mid-boss encore? Ne vous fâchez pas les gars, mais je dois vous avouer un truc. Sur l'écran de création de personnage, j'ai sélectionné les malus arachnophobie en échange d'un bonus de dégâts. Et je me sens pas trop bien là tout de suite. Ah ben bien, bravo. Si je comprends bien, tu auras auto-peur quand il est dans le coin, c'est ça? Fais gaffe, il dit, si Beauty a peu de vie pendant 3 secondes consécutives, il cédera à la panique et s'enfuira. Si vous voulez devenir blanc, sois le mieux aussi vite que possible. C'est exact, et pour tout vous dire, j'amasse aussi 2 fois plus de dégâts que les araignées, putain. Comment as-tu pu sélectionner ce malus? Tout le monde sait bien qu'il est complètement nul. Et tout le monde a été un noob un jour. Mais tout se passera bien, tu me protégeras jusqu'à ta mort, tranquille, pas vrai? Et si on laissait Beauty en première ligne contre le combat des araignées, c'est pour être marrant. Ok, vas-y. Ça va là pour l'instant. Faut juste que je fasse gaffe à son malus de ses morts. Un de vos personnages est un de paralysie. Ok, j'ai pas remédié donc en vrai c'est pas grave. Les deux sont en PLS. Hein. Ça, il a fait sa magnifique pose dégueulasse. Bracelet mini, les sorts de sang sont 5% plus efficaces. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. On a un nouvel anneau, 25% de rachidité aux états anormaux. Le propriétaire gagne plus 3 de défense. Ça, ça va sur lui. Et on a une nouvelle arme sur ce monsieur. 8 dégâts contre les armes, on s'en fout. Quand les PV sont bas. Ok, bon, on va prendre ça de toute façon. Ils ont rien d'autre les autres. Allez, c'est bon. On peut se casser. Let's go. Bon, vous pouvez me redire ce qu'on vient faire dans ce donjon? Gagner de l'XP. Oh allez, on s'en fout de l'XP, on est là pour démolir un dragon. Mais attendez un peu, un dragon dans un donjon, vous ne pensez pas que c'est un piège? Les dragons ne vivent pas dans les donjons, mais dans les plaines et dans les montagnes. De plus, comment un dragon pourrait-il entrer dans ce donjon? La porte est trop petite. Oh, arrête de pinailler sur les détails. Ouais, ils ont probablement construit le donjon autour du dragon, tu vois, tout a une explication. T'as quel débile. Oh là là. C'est quoi ce bruit par contre? C'est les magiciens là qui font ce bruit? Trop bizarre. Ah mince, il était pas full HP. NPDB. Let's go. Pam, 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 pam. Tac. Là, il va y avoir la porte secrète qui va se dévoiler après ce combat. Des ennemis, des XP, qu'est-ce que... Oh là, les poulets! Oh, loot! Eh, bah les pattes, c'était nos monstres! Incroyable, c'est comme ça que vous dites merci, les poulets! Merci? Où sont nos 10 XP et nos ors? Tu as même volé le loot! Bien entendu, j'ai tué les monstres, donc l'or, l'XP et les drops sont à moi. Beauty a raison, vous venez nous rendre l'or, le loot. Il a raison, Beauty, on trouvera du loot sur les prochains ennemis. En vrai, pour avoir joué sur les MMO, je jouais comme lui, donc en vrai... Oh, voilà qui est étonnamment ennuyeux, tu dois être un de ces stupides soigneurs au karma bon, pas vrai? Désolé les poulets, j'ai pas de temps à perdre avec vous, j'ai une épée légendaire à trouver. Bravo Lee, on a perdu toute crédibilité. Regardez, il a laissé quelque chose sur le sol. On dirait une carte de visite. On doit retrouver ce Don Cheetor et récupérer le loot qui nous est dû. Ne prends pas les choses de façon trop personnelle, Beauty, on a une autre quête en cours, tu es le dragon, tu te rappelles? Mais il nous a appelé poulet!
D'accord. D'abord, on tue le dragon, puis on trouvera Don Cheetor, et on retrouve, récupérera notre loot. Fais gaffe, les monstres ont déjà respawn. Allez, c'est parti. Ouais, ça reprend vraiment... ok, d'accord, il y a les araignées. Faut pas que j'oublie. Merde, putain, j'étais pas focus sur les autres, par contre. J'étais focus que sur lui, du coup, ils sont morts. Ça va être chiant. Il risque de partir. J'ai pas Boom qui revient. Allez, tuez l'araignée de gauche, s'il vous plaît. Oh là là, l'enfer. Oh, il est pas content, Grumpy, là. Il veut bouder parce que je l'ai pas heal. Let's go. On a débloqué un deuxième raccourci, donc ça, c'est cool. Encore des brigands. Les gars, on est là pour tuer le dragon, c'est bien ça? On sait vraiment qu'on va s'en sortir, on gagnera encore contre des rats. T'as peur, gamine? Je veux juste soulever un point pertinent, et être sûr qu'on ait quand même une chance de s'en sortir. Mais bien sûr, tout ira bien, tous les bons jeux sont conçus pour qu'on ait toujours une chance de s'en sortir. Tous les bons jeux, tu dis, je suis sous dire plus sûr de rien, on devrait peut-être faire demi-tour. Okay, on va utiliser une de ces potions, on va... Il tire avec ses pieds, j'avais oublié ça. En vrai, on heal bien, hein, c'est pas mal. Ah, il manquait un HP, dommage. Loot trouvé, anneau de réussite, life. L'allié s'est bien ressuscité avec 50 points de vie. Ah, ça c'est bien. C'est bien, mais je compte pas les laisser mourir. Allez, let's go. On débloque le raccourci tranquillou. Et là, on est au boss. Il me semble qu'il reste encore. Les mecs, j'ai besoin de pisser. Tiens-toi encore un peu. Il y a sûrement des toilettes pas loin. Je ne pense pas, non. Seuls les deux gens de première classe sont occupés d'installations sanitaires. Soulage-toi contre un mur quand tu n'es pas devant la caméra. Perso, j'attends toujours l'écran de victoire pour ça. C'est dégoûtant. Tu penses vraiment pas aux aventuriers qui passeront après nous? Et peut-être que ce n'est pas le seul truc pas propre qu'il fait pour l'écran de victoire. Vous ne verrez plus jamais les écrans de victoire de la même façon. Fight. C'est trop drôle. Ce jeu est trop drôle en vrai. Tac, oh, il a infini. Touk touk touk. En vrai, je pense qu'on va faire le boss. Après, on partira sur du League of Legends. Yes, perfect. Perfect, c'est quand ils ont toute leur vie, je gagne plus d'XP. Et ça, ça fait plaisir. Arc en chaîne. Ouh, dégoûtant. Ah, ça va mieux. Ah, ils m'ont tué. Ils sont dégueulasses. Ils sont horribles. Vas-y, go, essaye de l'équiper avec... je refuse d'équiper un objet qui ne compte pas mon DPS. Ça, c'est vraiment vain, quoi. Plus 2 max damage quand tous les autres alliés sont morts. Ok. Plus 1 dégât, plus 2 dégâts bonus quand les PV de l'outil sont à 100%. Ok, faut que je la laisse à 100% elle. En vrai, c'est pas mal. Faut que Grumpy, je m'en occupe beaucoup, mais que Beauty, en fait, elle soit juste à 100%, et puis ça passe. Vous avez entendu ce bruit terrifiant? Sur mon dragon. Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a déjà vu et survécu assez longtemps pour le raconter? Je ne pense pas, c'est un dragon, la créature la plus cruelle et effrayante de ce monde. J'ai entendu dire que les dragons font agoniser leurs victimes pendant des heures avant de les achever. Non, ça ce sont les chats, imbécile. Chat! Les dragons, ça te crame les miches en une seconde et pouf, tu deviens un joli petit attendre. Du coup, j'imagine que les chats sont les créatures les plus cruelles et terrifiantes du monde. Les chats, tu rigoles, ils sont trop mignons et adorables. On va dire ça aux souris. Grumpy, il a des punchlines de l'infini. C'est insane. Meurs en générique là-dessus. Non, par contre, j'aurais pas dû boom là. Heureusement qu'ils attaquent pas.
il attaque vraiment, mais doucement, c'est un truc de ouf. J'ai pas eu de tanky au dernier moment. J'étais totalement greedy là-dessus. Le trouver arc de rapidité. What, un autre arc? Ok. Entre deux attaques réduites. Temps entre deux attaques réduit de 10%. Ah oui, parce qu'il attaque pas vite en fait. En vrai, limite, lui est mieux. Mais lui fait plus mal. Mais lui, on va tuer plus rapidement quoi. Ouais. Vas-y, go. On va mettre 3 de dégâts, c'est pas grave. Let's go to the boss. Ok les gars, voilà le dragon, préparez vos combats et à être couverts d'or et de gloire. Et des femmes, Darky. S'il vous plaît, ne me tuez pas, j'ai des enfants en bas âge. C'est là, un dragon qui parle. N'essaie pas de nous amadouer, dragon, ta dernière heure est venue. Attendez, le roi vous a promis or et gloire si vous me tuez. Mais je n'ai jamais fait de mal à personne. Je vous ai donné cette quête car faire combattre des dragons est l'un des seuls trucs cool que les rois font. Maintenant que vous savez tout, retournez à la surface et dites la vérité au monde. Chargez. Non, attendez. Vous allez le regretter. Je peux plus bouger, qu'est-ce qui se passe? C'est le regard du dragon, j'en ai entendu parler pendant mes études de magie. Il est possible de le contraindre en l'invoquant le dragon juste avant qu'il lance l'attaque. Essaye, t'es sort de son, Ellie. Ok, d'accord. Papam, pam, papam. Pam. Qu'est-ce que j'ai... Bon, en vrai, ça va. Moi, je vais essayer comme ça. Wop, il a explosé. En vrai, ça va. Ça descend vite, je devrais le faire en une seule fois normalement. What, c'est quoi ça? Ah, il a fait un double. Le boom va revenir. J'ai plus de mana. Oh non. Putain, il est mort juste avant. Dommage. Pauvre dragon. Bah, c'est une créature démoniaque de toute façon. Quand je pense qu'il essaie de nous envenimer avec son discours pas crédible sur ses soi-disant mioches. Maman, maman, pourquoi tu dors? Allez, lève-toi, maman. Bon. Bah, c'est pas tout ça, on ferait mieux d'y aller. Putain. Les pires aventuriers. Speed, ok. Très très bien. J'ai des étoiles ou pas? J'ai des étoiles, j'en ai 3. Le super heal, on peut augmenter les effets du passif, ça peut être bien, déjà, et... Après, le reste, je sais pas, faut que je vois les autres spells pour voir un peu ce que je prends, parce que de toute façon, ça va être situationnel. Alors, quel est le plan maintenant, qu'on a vécu le dragon? Allons, château du roi, prendre nos récompenses. Il se trouve quelque part dans la forêt à l'est. Quelque part dans la forêt, j'aime ta précision, Donkey. Et voilà le mec qui ne connaît pas ses points cardinaux qui parle de précision. Allez, venez, on s'arrache. Ok, bah il y a un coffre, on va le prendre. Un autre bouclier, yes, parfait. Back to map, yes. Et bon, on a fait notre premier donjon. Oui, YouTube, je vais cut ici. C'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Voilà, où on ira rendre notre quête au roi. A plus, ciao, ciao.